Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérend Père Malek, chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte. Et c'était une très belle célébration ici parce qu'il y avait en plus une première communion. En ce dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité et aussi la fête des moments. Nous avons écouté les dernières paroles très fortes de l'Évangile selon saint Matthieu. C'était les dernières paroles de cet Évangile. Nous sommes après la résurrection et les 11 disciples se prosternèrent devant Jésus. Ils étaient sur une montagne en Galilée. Se prosterner devant Jésus, ça veut dire reconnaître en lui une manifestation de Dieu. Parce que pour le juif, on ne se prosterne qu'à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit était la première formulation que Jésus, le ressuscité, va donner de la Sainte Trinité. Rappelons-nous, Jésus avait été condamné à mort pour avoir enseigné que lui et le Père ne faisaient qu'un. C'était un blasphème, ça choquait pour le juif de son époque. Dieu reste un mystère total pour beaucoup encore aujourd'hui. Certes, le mot Trinité est le fruit de longs débats théologiques. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas réduire Dieu à un simple mot. Car son mystère est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs, la foi en Dieu, telle qu'il s'est révélée, à commencer par les prophètes, les apôtres, jusqu'à nos jours, nous apporte bien plus que ça nous coûte. Croire en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, peut nous coûter, et nous le savons, beaucoup de persécutions, la mort biologique dans certains cas, comme pour Sainte Jeanne d'Arc, que nous fêtons aujourd'hui, en ce 30 mai, comme pour les saints martyrs lyonnais, Potin, Blandine et leurs 46 compagnons que nous fêterons le 2 juin. Cette même foi nous apporte l'assurance du salut. Oui, nous ne cessons pas de répéter que Dieu est amour, qu'il nous aime au-delà de ce que nous espérons. Il nous invite à aimer comme lui. Il donne la vie éternelle à ceux qui accueillent son salut par le baptême. Si nous ne pouvons pas réduire Dieu à un simple mot ou à un mot très très difficile, notre foi non plus ne se réduit pas à une promesse d'une vie meilleure dans l'au-delà. Croire en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est croire en l'amour qui est communion. C'est accueillir la différence, admirer la beauté de la diversité, tout comme nous admirons la beauté de des jardins et des champs de ce beau mois de mai. C'est aussi rappeler cette promesse et cette volonté du Christ quand il a prié pour ses disciples, pour qu'ils soient un. Dans l'Évangile, saint Matthieu précise que certains des 11 avaient des doutes. Peut-être que certains parmi nous ont aussi des doutes face à l'immensité de notre mission. Faire de toutes les nations des disciples,
et les baptiser. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas le nôtre, mais c'est le projet de Dieu. Donc ce qui nous est peut-être impossible est possible pour Dieu. Alors faisons ce qui nous est possible, continuons à célébrer, à enseigner, à servir. Confions au Seigneur le reste. Il est là tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, soyons attentifs à sa présence dans notre vie quotidienne. En ce jour de fête des mères, selon le calendrier français, avec vous je rends grâce au Seigneur pour la Vierge Marie, mère de l'Église, qui était debout devant la croix et devant la croix de son Fils, et qui se tient debout avec nous, face à nos différentes croix, et qui intercède pour nous. Viens, Seigneur, bénir toutes nos mamans, qu'elles veillent sur l'unité de nos familles. Si certains pourront donner un cadeau à leur maman en ce jour de fête, un cadeau physique, d'autres, puisque leur maman est partie au ciel, font un très beau cadeau par la prière. Et quel beau cadeau que font la famille Jambouille pour leur maman aujourd'hui, donner la messe en mémoire de leur maman, Adibé. Ô Seigneur, trois fois saint, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen.